Cette année, à La Flèche dans la Sarthe, ils sont 178 élèves de seconde à vivre une journée un peu particulière. C'est au Prytanée National Militaire qu'ils ont fait leur premier pas, sous l'œil bienveillant de la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, venue les encourager. Déjà, vous avez récupéré votre paquetage, vous avez retrouvé vos camarades, et pour les nouveaux, fait la découverte de ces murs chargés d'histoire. L'aspect militaire qu'il va aborder va se limiter simplement dans la connaissance des grades, dans le déplacement du point A au point B, dans une formation militaire, apprendre de l'ordre serré, du garde à vous, du repos, des choses comme ça, mais ça va pas plus loin. Il y a déjà les fortes têtes, il y a déjà les gens un peu plus discrets, il y a ceux qui peuvent paraître un peu tristes, etc. On le voit et puis on essaye de se rapprocher, on essaye de comprendre, on essaye de les aider, quoi. Puis on les aime, nos gamins, quoi. On les aime, nos gamins. D'avoir quelqu'un qui nous donne des ordres en treillis militaire, c'est un peu impressionnant. Ça peut faire peur, mais personnellement, moi, ça m'a rassuré. D'avoir des gens qui s'y connaissent, c'est pas la première fois qu'ils commandent des hommes. Ils ont été sur le terrain et ça, rien que pour ça, ça impose le respect. Le Prytanée affiche un taux de réussite au baccalauréat avoisinant les 100%. Les élèves peuvent donc débuter leur scolarité avec sérénité. Les filles, vous mettez vos téléphones dans les enveloppes, s'il vous plaît. Allez les filles, s'il vous plaît, vous êtes au niveau.